Ça va ta mâchoire? Tu as mal? Écoute, Gabe, je suis vraiment désolée. T'as une glacière là-dessous? Je planque des bières un peu partout dans la maison. Parce que bon, c'est au cas où. Au cas où quoi? Au cas où? On sait jamais. Alors? Tu cherches un manager pour ta carrière de combat clandestin? Gabe, je suis vraiment désolée. T'en as cassé combien des os? Enfin, à d'autres, je veux dire. Écoute, je suis tellement désolée, je voulais pas te faire mal. T'excuses pas, ça va. Mais, puisqu'on en parle... Je crois que j'y avais jamais pensé. Que je pouvais te botter le cul. Ouais, c'est ça. J'ai jamais pensé à ce que t'avais vécu. Toute seule. Ça allait. Quand je t'ai éloigné de Mac, et que tu m'as frappé, j'étais en colère. Mais après, j'ai réfléchi à ce que t'avais fait. Comme si c'était pas la première fois. En foyer, les gosses se battent. Souvent. J'ai appris à me défendre. Ça se voit. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui te tracasse. Il est peut-être temps que tu te confies. Je veux parler à Gabe, mais qu'est-ce que je pourrais bien lui dire là qui expliquerait ce qui s'est passé avec Mac? Il y a quelque chose d'anormal chez moi. Je ressens les émotions des autres. Je vois des espèces d'auras autour des gens. Et si leurs émotions sont assez intenses, s'ils sont en colère ou tristes ou s'ils ont peur, je le ressens aussi. Et je me contrôle plus. Et ça t'arrive depuis... Depuis longtemps. Avec Mac, je ressentais toute sa colère, comme si c'était la mienne. Je crois qu'il était assez clair que Mac était en colère. C'est pas seulement ça. Il était pas en colère que contre toi. Il est en colère contre lui-même. Il pense qu'il va perdre Riley. C'est Riley qui t'a dit ça? Non, personne m'a dit ça. Je l'ai... ressenti.
T'es sûr que c'est pas... Tu vois? Ça se passe pas que dans ma tête, je te jure. Ça vient pas des médocs, ou du stress, ou d'un traumatisme, ni d'autre chose. C'est réel. Tu peux me dire ce que je ressens là, maintenant? Ça marche pas comme ça. C'est seulement quand les émotions sont intenses. Ah. Je m'attends pas à ce que tu me crois. Personne me croit. Donc, tu peux vraiment ressentir les émotions des autres? Oui. Tu entres dans leur cœur, en quelque sorte. Si tu veux. En fait, t'as des super pouvoirs. Se faire taper dessus et pas avoir d'amis, c'est plutôt une super malédiction. Ok, d'accord. Peut-être que j'ai exagéré en parlant de super pouvoir. Mais c'est... Je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens une fois sur deux. Charlotte est en train de m'apprendre à améliorer mon intelligence émotionnelle. Mais ça, c'est... C'est tout autre chose. Toi, tu vas carrément à la source. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est tout ce que tu trouves à me dire? Mais carrément. C'est à toi de décider ce que t'en fais, non? Mais peu importe ce qu'il arrive, je suis là pour toi. Ne l'oublie pas. Au fait, tu comptais m'en parler quand, de la guitare? Oh merde, tu l'as trouvée. C'était censé être une grosse surprise. Surprise? Alors? T'en penses quoi? Je l'adore. Merci énormément. De rien. Bienvenue chez toi. Oh, salut, ça va? Salut. Est-ce qu'Ethan est là? Non, je croyais qu'il était en bas. Oui, mais... Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Je lui avais dit de pas s'éloigner. Je vais le chercher. Gabe, attends. Tout à l'heure, quand j'ai discuté avec Ethan, il m'a confié qu'il partait chasser un monstre, a priori dans la montagne. Quoi? Et pourquoi t'as rien dit? Je suis désolée. Si, il est vraiment parti là-haut. Il faut qu'on y aille. Tout de suite. Ok, allons-y. Ethan ? Ethan ! Allez, décrochez, décrochez. Alex ?
Par ici. Waouh. Ça faisait un moment que j'étais plus venu ici. Tu fais pas ton job de garde forestier par ici ? Terrain privé. Hors de ma juridiction. Mes papas m'emmenaient souvent ici quand j'étais petit. J'étais son apprenti mineur. C'était avant que miner signifie faire sauter le sommet des montagnes. Alors ? Alors j'ai eu l'équipe de sécurité du site. Ils vont suspendre le dynamitage jusqu'à ce qu'on l'ait retrouvé. Ah. Ça sera pas une course contre la montre au moins. Hé, ça va ? Charlotte doit être en train de péter un câble. Hé, elle est forte. Elle l'a toujours été. Viens, on va jeter un œil. Ah, ce gosse. T'imagines ce qu'on se serait pris avec papa si on avait fait un truc pareil ? J'aurais dû... t'en parler plus tôt. J'ai pas... Enfin, quand il a dit qu'il allait dans la vieille mine, je... Alex, ne t'en fais pas. Tu pouvais pas savoir. C'est pas ta faute. Ouais. Mais quand même. Je vais chercher dans les environs. Si tu trouves un signe de la présence d'Ethan, tu me préviens. Ok. C'est bon. Je peux le faire. Comment Ethan comptait-il entrer dans la mine ? Non, 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 absolument pas. Ils le font vraiment ? Super. Une planque de tueur en série. Ils comptaient faire sauter les charges ce soir. Heureusement que Gabe les a appelés. C'est dingue, mais ce zombie en caoutchouc est le truc le moins flippant ici. Hey, mec! Tu veux aller te bourrer la gueule à la vieille mine ? On s'en rend pas compte de loin, mais l'équipement minier est super glauque. Les véritables monstres, c'est les mineurs qui boivent. Ça doit pas être si marrant que ça de rouler là-dedans. Je te tiens. Ça va aller, je te tiens. Ça va aller. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. On est vivant. Tout le monde est là. Contrez-vous. Jade était terrifié. Mais il a gardé son sang-froid et il a sauvé des vies. C'est ce qui fait de lui un héros. Waouh. Une fois qu'Ethan sera sain et sauf, j'enlèverai un aussi. Allez, Ryan. Tout le monde compte sur toi. Ryan se laissera pas dominer par sa peur. Je suis contente qu'il soit là. Pourquoi, Alex ? Pourquoi est-ce que tu n'as... Ça sert à rien d'accuser qui que ce soit. Il faut qu'on le trouve, c'est tout. Et vite. Il a raison. Trouver Ethan est la seule chose qui compte. J'imagine pas ce que ça doit faire d'être coincé là-dessous. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Un gros effondrement. Plein de mineurs coincés. Ils ont failli y passer. Jed a ramené toute l'équipe à la surface. Ah ouais ? Ouais, c'est le jour où Jed le contremaître est devenu Jed le héros du coin. Ensuite, Typhon a fermé le site. Et a acheté le Black Lantern pour Jed, en gros.
c'est le même logo. Peut-être qu'Ethan s'est inspiré de cet endroit pour sa BD. Ok. Si le mur est une illusion... Rien à première vue. On devrait peut-être... Vous remarquez rien ? Putain ! C'est pas vrai. Toute l'histoire est axée sur le personnage d'Ethan qui s'introduit dans une forteresse remplie de monstres, située sous terre. La mine, en somme. Est-ce que ça dit où il est allé ? Pas sûr. À la fin de la BD, le chasseur de monstres grimpe sur une tour de guet qui lui montre où il doit aller. Là, le silo. Je parie que c'est la tour, c'est là qu'il est allé. T'es génial. Ouais, bien trouvé, Alex. Gabe, tu veux essayer de déverrouiller ce portail ? Je m'en occupe. On devrait pouvoir arriver là-bas en passant par le bâtiment de traitement. Si, on arrive à y entrer. Allons voir alors. Bon, Ethan s'est inspiré de cet endroit pour sa BD. Peut-être que je devrais comparer ses dessins à ce qui se trouve dans le coin. Allez, Ryan. Tout le monde compte sur toi. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Attends... Est-ce qu'Ethan... Oh, putain... Tu crois qu'il y a une porte latérale là derrière ? Je sais pas. C'est possible. Tu peux m'aider ? D'accord. Tu as déduit tout ça d'une BD ? Je vais essayer d'allumer les lumières. Toi, tu essaies de trouver où Ethan est allé. Ethan a dû passer par ici. Et comment est-il sorti ? J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Je suis à peu près certaine que si je décrochais le téléphone, il y aurait une voix démoniaque au bout du fil. J'ai envie d'appuyer sur tous les boutons, mais j'ai aussi peur d'appuyer sur quoi que ce soit. Ah, j'espère sincèrement que les présages n'existent pas. Oh, je préfère encore dormir par terre. Non, Taynor ne se bat pas contre des punaises de lit. Il y a tellement d'affaires à abandonner. Ça valait le coup d'essayer. Ethan a dû passer par un autre chemin. Laisse-moi voir ce que je peux trouver. Il a connu des jours meilleurs.
Oh oui, ça a pas du tout l'air dangereux. Salut, vieille bâtisse flippante. Ne t'effondre pas pendant qu'on t'explore, s'il te plaît. Merci. Elle est peut-être remplie de Twinkies. Ça périme jamais, ce truc-ci. C'était pas dans la BD. Ethan a dû monter à l'étage. Je suis à peu près certaine qu'Ethan a pris ses escaliers. C'était pas dans la BD. D'accord, j'entrerai pas. Mais pas parce que je t'obéis. Ça fait une heure qu'on l'a abandonnée, la prudence. Pas dans la BD. Le silo. On approche. Ethan a sauté d'ici jusqu'au tapis roulant. Ouf. Je crois qu'il vaut mieux que je trouve un autre passage. On dirait qu'Ethan est monté sur le tapis roulant pour aller dans le silo. Ça se tente. Attention! Ah, super. T'as réussi à ouvrir la porte. Ouais, il suffisait de l'ouvrir en fait, c'est fou. On en apprend tous les jours. Donc c'était déjà un piège mortel quand c'était encore en activité. Cool. Cool, cool, cool. Vous avez pris votre temps. On n'oublie jamais comment forcer une serrure. C'est comme le vélo. On va où maintenant, Alex ? Taynor observe depuis le haut de la tour de guet et découvre l'entrée secrète de la forteresse. Ça devrait être juste... là. C'est là qu'il va. C'est près du ravin. Merde. Allons-y.
On y est? Je crois. Ethan! 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 Je viens de chercher mon grand. Hey. Attends. Ethan, ça va? T'en fais pas, on va te sortir de là. Accroche-toi bien. Arrête! Il a tellement peur. Si je m'approche de lui... On n'y arrivera pas. On est trop loin. Merde. Et moi? Alex. T'es sûr? Tu te souviens de quand je t'ai appris à faire un point d'ancrage? Parfait. Montre-moi. Ça va? Ouais. Ouais, ça va aller. Tu es sûr? C'est pas grave, sinon. Non, ça va. Tu sais quoi? Je te crois quand tu me dis ça. Alex, est-ce que tu peux me regarder? Je vais te passer cette corde autour de la taille. L'autre bout est attaché à ton frère. Il utilisera cette souche comme point d'appui pour t'envoyer plus de cordes. Tu me suis? Jusque-là, oui. Parfait. Tu te débrouilles très bien. Souviens-toi. La lenteur, c'est la stabilité. La stabilité, c'est la rapidité. C'est du gâteau. C'est du gâteau. Ne bouge pas, Ethan. J'arrive. Tu vas y arriver, Alex. Va-t'en ! Tu vas te faire mal ! Je repartirai pas sans toi ! Tu restes avec moi jusqu'à ce qu'on soit en sécurité. Ethan, je suis là pour t'aider, d'accord? Non! T'approche pas! C'est trop. Il faut que je trouve un moyen de le calmer. Ethan, il faut que tu te calmes. Tu veux bien respirer à fond? J'aurais jamais dû venir ici! C'était stupide! Ok, d'accord. Concentre-toi. Parle-moi. Tu peux m'expliquer comment t'as atterri ici? J'ai essayé de traverser le ravin. Le rondin est tombé. T'inquiète pas. Tout va bien. On va parler de la suite maintenant.
Gabe nous assure. On tombera pas. Il est attaché à l'autre bout de la corde. Non, je peux pas bouger. Si je bouge... Tu tomberas pas, Ethan, je te le promets. Ça change rien. Oh, il est en plein délire. Il faut vraiment qu'il se calme. On peut pas rester là, Ethan. Il faut absolument... Il me verra. Si je bouge, il me verra. Qui est-ce qui te verra? Tu comprends pas. Il a raison. J'y comprends rien. Je peux pas l'aider si je comprends pas de quoi il a peur. Et la seule façon de le comprendre, c'est de ressentir ses émotions. Et merde, j'arrive pas à croire que je vais faire ça. Je peux le faire. Je peux le faire. Warden n'aurait pas peur. Mais c'est juste une histoire. On est dans la vraie vie. Je fais pas que ressentir les émotions d'Ethan. Je vois le monde à travers ses yeux. J'ai emporté tout ça. Mais ça me sauvera pas. Je pouvais chasser le monstre, mais c'est lui qui me chasse. Bon, il a pas peur de tomber. Il a peur de... Merde, merde. Il faut pas qu'il me voie, il faut pas qu'il me voie. Ça peut pas être réel. Oh putain, ça a l'air vraiment réel. Je le vois, moi aussi. Et j'ai tout aussi peur que toi. Mais Ethan, on craint rien. Et tu sais pourquoi? Il peut pas me voir. Le bracelet d'évanescence, comme Nineswarden. Je croyais que c'était une histoire. Tu sais, certaines histoires sont réelles. Comme les monstres. Donc... Tu vas prendre ma main, d'accord? Tant que tu me touches, t'es en sécurité. Regarde pas en bas, ok? Y en a pas pour longtemps. C'est pas encore fini. Oh mon Dieu. Bon, un pied devant l'autre. Alex ? Oui, mon grand ? J'ai encore très peur. Tu n'as rien à craindre. Je te tiens. Et si tu me lâches ? Merde. Tu penses que le rondin va casser ? T'inquiète. Je suis bienvenue jusqu'ici tout à l'heure, tu te souviens ? Ça veut pas dire que ça cassera pas. Nos émotions sont liées. Il faut que je l'aide à rester calme.
Ethan! Ryan, ils vont bien, Gabe. Tiens bien la corde. Ils se rapprochent. C'est fini. Viens là. Voilà. Je te tiens. Ugh.